Salut, salut, bienvenue sur Another Homepage, je suis Nils et nous sommes dans l'épisode du 3 février 2022. On va continuer nos aventures avec Cloud Init aujourd'hui. Alors, ces aventures avec Cloud Init, comment elles ont démarré? Eh bien, elles ont démarré de façon un peu difficile par moment, mais malgré les deux premiers streams sur ce sujet, qui ont été un peu laborieux, je pense avoir quelques idées pour avancer sur ce sujet. L'idée à la base, c'est donc d'utiliser Cloud Init pour pouvoir créer une image générique, dans mon cas de Fedora 35, et pouvoir ensuite, sur cette image générique, pouvoir faire des personnalisations comme création de compte utilisateur, ajout de paramètres, eux aussi relativement génériques, mais un petit peu plus spécifiques, pour ensuite pouvoir partir sur l'automatisation un peu plus classique, notamment avec des trucs comme Ansible, Puppet, Salt, ce genre de choses-là. Voili voilou pour le résumé et l'objectif. Donc n'hésitez pas si ce genre de petites manipulations, d'aventures vous intéressent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou à follow cette chaîne Twitch. Bien, alors est-ce qu'on a un peu de monde pour le moment? Pas encore, mais c'est pas grave, ça va venir. Je vais peut-être vérifier le retour vidéo, c'est bon. Et on va rentrer assez vite dans le vif du sujet, je pense. Alors, regardons où ça en est. Ah, j'ai pas ramené le schéma. Je vais ouvrir le schéma tout de suite. Voyons voir ça. Alors, comme toujours, je perds du temps sur le schéma, mais on sait jamais. Hop, il peut toujours être pratique. Hop là. Allons-y alors, passons sur hop, l'environnement bureau avec ma machine qui va pouvoir me gérer entre guillemets l'administration, et puis notre machine CINIT qui est là, une autre CINIT 2 au cas où, et je sais sur quelle machine je ne m'étais pas connecté non plus, qui est l'hyperviseur. Hop, superviseur du Home Lab. Et hop. Parfait. Parfait, parfait. Alors, on va ouvrir cette machine là. Et on va reprendre la documentation de la dernière fois. Je vais aller récupérer le lien. Sur le Discord que vous pouvez rejoindre aussi dans la section lien du live. Il y a tous les liens, je les poste à chaque fois. Je suis pas sûr d'être sur la bonne webcam. Voilà. Hop. Je savais bien que sur cette vue-là, j'étais pas sur la bonne webcam, c'était bizarre. Alors, on a... Hop, il est passé où le... Et le voici, le voilà, le lien. Non, c'est pas celui-là. Hop.
celui-là. Voilà. Hop. Le voici, le voilà. Et je vais le reposter dans le chat, comme ça ce sera plus facile pour ceux qui me suivent en direct. Bien. Bien, bien, bien. Alors, le truc qui va m'intéresser... Le truc qui va m'intéresser... Alors, est-ce que c'était dans cette documentation-là? Non, a priori, c'était pas dans celle-là. Néanmoins, je peux regarder... Alors, à ce niveau-là, sur mon CINIT2, est-ce que... Dans le fichier XML... Donc ça, c'est la définition XML d'une machine virtuelle au niveau de libvirt, en fait, qui est donc la solution de virtualisation que j'utilise. Et la question que je me pose, c'est est-ce que... Ouais, non, virt install a rien. Et si jamais en stockage, je lui dis... Non, il n'y a rien à ce niveau-là. Parce que quand on fait add hardware, au cas où... au niveau de la machine virtuelle, non, il n'y a pas d'option. Ouais, au niveau graphique, en fait, Virt Manager, lui, ne prend en aucun cas en compte... la présence de fichiers de configuration pour Cloud Init. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je détruise. Enfin, que je détruise. En fait, il va falloir que je crée une première machine virtuelle avec Cloud Init et que j'utilise le disque de cette machine virtuelle comme base pour importer une autre machine virtuelle. Et au niveau de la ligne de commande de virt install, je spécifierai mes fichiers de configuration Cloud Init. C'est un peu différent de ce que j'avais eu dans l'idée à la base, puisque ce que j'avais eu dans l'idée à la base, c'était d'utiliser un serveur web pour pouvoir récupérer les fichiers de configuration Cloud Init et d'utiliser un serveur web qui soit dans le réseau de mon Home Lab. C'est-à-dire que l'idée que j'avais à la base, si je vous montre le schéma de mon Home Lab qui est là, hop, on va l'agrandir un peu. Et bien, donc, j'ai, alors, déjà cette machine, non, pas cette machine-là, celle-ci, qui est dans le réseau en 10.13.31, hop, donc elle est ici, elle est dans ce réseau-là, et elle vient se connecter à une des machines en... l'une des machines CINIT, et si je regarde à nouveau dans les 10.6.0 quelque chose, donc elles sont dans ce sous-réseau là, dans le 10.6.0.0/24, dans ce réseau là. Et en gros, quand elle démarre, moi je me disais, bah, je vais pouvoir utiliser cette machine là, 10.5.0.2. Je pensais utiliser celle-ci comme serveur web pour que la machine, ici, à son premier démarrage, elle aille chercher sa configuration Cloud Init là-dedans. Tout comme pour l'installation, eh bien, elle vient chercher son fichier d'installation Kickstart. Et en fait, ça n'a pas l'air d'être le cas. Si ça se trouve, l'hyperviseur qui donc contient tout ça, hop, qui contient tout ça, eh ben, lui, à l'installation... enfin, voilà, définition de la machine virtuelle, ça se trouve, il va falloir que je lui donne un serveur web qui serait par là. Peut-être. Ça peut être un test après. Mais donc, ce que je vais faire dans l'immédiat, c'est revenir, non pas ici, mais plutôt ici. Et si je fais un history pipe grep install, j'avais normalement... Ah non, tiens. Je l'ai peut-être pas conservé dans mon...
Remarquez, non, en fait, j'avais été entre guillemets futé. Hop, install cinib2.sh. Voilà. Donc, j'avais fait un script shell qui contenait la ligne de commande virt install pour éviter de perdre trop de choses. Voilà. Et donc j'avais fait une cinib2 et j'avais indiqué les fichiers de définition cloudinit. Donc je pense que je vais itérer là-dessus. Je vais refaire d'abord une image d'installation avec un kickstart un petit peu mieux fait. Et ensuite, je vais m'occuper de rajouter des choses dans le metadata et dans le userdata en me basant sur la documentation officielle de cloudinit. Ce qui veut dire donc que la cinib2, je vais la détruire, je vais la supprimer. Hop là. Alors ce que je peux peut-être faire par précaution, c'est faire un truc, c'est que donc les machines virtuelles sont en DHCP, mais ce qui peut être sympa, c'est de toujours récupérer la même adresse IP. Donc, je vais copier-coller cette adresse MAC, ce qui va me permettre de dire au niveau du réseau, crée toujours la même adresse MAC. Comme ça, le serveur DHCP, lui, il saura que bah, cette adresse MAC, il lui a déjà donné une IP, donc il va lui le redonner la même. Et si je vais dans Network, hop, on ne va pas démarrer sur le réseau, on veut, voilà. Alors, est-ce que je peux lui dire MAC égale? Ouais, Network égale, machin, MAC égale, et je lui donne adresse MAC. Donc, hop, donc au niveau de Network, où je suis là, je peux lui dire virgule MAC égale, et hop, je lui donne cette adresse MAC là, qui est donc une sorte de numéro de série de la carte réseau, entre guillemets. Entre très gros guillemets. Voilà. Donc, maintenant, je peux détruire mon. Ah, est-ce que je ne me serais pas trompé de. Non, c'est bon, je me suis pas trompé, c'est bien cinib2. On va fermer ça. Et ici, la cinib2, je peux l'effacer. Pour de bon. Hop là. Et ensuite, à ce niveau-là, ce que je vais pouvoir faire, c'est. Alors j'ai quoi dans les metadata? Ok. Et dans le userdata, j'ai des informations intéressantes. Ok. Je vais aller chercher la documentation officielle de Cloudinit. Je l'avais postée dans un lien justement aussi. Comme ça, on pourra. On pourra regarder des informations complémentaires. Et c'est pas forcément les data sources qui m'intéressaient. Hop. Boot stages, first boot determination, non. User. Alors, ce que je voulais, c'était modifier le user data. Voilà, le user data. Donc, user data et cloud config data, cloud config example. C'est sympa ça. On va pouvoir se baser dessus, c'est chouette. On va pouvoir vraiment. Parce que ce qu'on va pouvoir faire donc, c'est ajouter des utilisateurs des groupes, ça c'est cool. Créer des fichiers de conf, ok. Ajouter un dépôt YUM. Ou DNF dans notre cas de figure, mais. C'est plutôt intéressant ça. Install and run chef recipes. Bon, j'utilise pas chef pour le moment. Run puppet. Et des commandes au premier démarrage. Et un message. Ok. Installer des packages, c'est bon à savoir. Ajouter des points de montage. Appeler une URL de fin. Ok. Reboot power off. Et des clés SSH. Ok. Ouais, donc on a de quoi faire. On a de quoi faire. On va pas non plus. On a de quoi s'amuser. Parfait. Bien. Donc, je reviens ici.
Et je vais aller me connecter sur 10.5.0.2. Voilà. Var 3W localhost htdocs. Qui est l'endroit où il y a mes fichiers. Et j'ai un fichier qui s'appelle cinit.cfg. Voilà. Et ceci est un fichier kickstart d'installation automatisée de Fedora. Donc on va pas lui dire reboot, on va lui dire power off. Ah non, c'est shutdown, autant pour moi. Hop. Le mot-clé, c'est shutdown. Hop. Alors je sais, je commence par faire du kickstart alors que c'était censé être une soirée cloud init, mais c'est pas grave. Hop là. Alors. Je reste sur ça, ça aussi. Ça aussi pour le moment. Ce que je vais faire, c'est garder. Alors, je vais enlever. Hop. Je vais enlever ça. Ensuite. Je vais dégager pas mal de choses en fait. Est-ce qu'on pourra essayer de les mettre dans Cloud Init en fait? Puisqu'a priori je fais pas d'installation de package après. Tune DADM. Ouais, je vais le laisser comme ça. Ça aussi, ça c'est plus pour moi. Ça, c'est des trucs que j'avais récupérés. Là, les petites informations qui sont là. Je les avais récupérées parce que dans l'épisode précédent, je m'étais dit, j'arrive pas à faire fonctionner Cloud Init en ayant créé une image custom. Donc, je vais regarder l'image officielle, ce qu'elle fait. Et donc, petit truc intéressant, hein, quand vous avez une Fedora, une Red Hat, une CentOS, une distrib de ce genre-là, sachez que quand vous allez sur une machine, si vous avez un accès administrateur à cette machine et que vous allez dans slash root, vous avez normalement au moins alors les noms diffèrent selon les distribs, selon les variantes, mais vous avez généralement un anaconda-ks.cfg et parfois vous avez un original-ks ou initial setup, ce genre de choses là. Et quand vous regardez ce fichier, en fait c'est le fichier qui a servi à l'installation. Alors si l'installation a été interactive, il y a quand même un fichier comme ça et qui va en gros être l'équivalent de ce que vous avez fait en interactif. Donc ça peut toujours être intéressant d'aller jeter un œil à ce fichier-là, surtout si vous déployez une image virtuelle, parce que ce fichier-là en fait contient ce qui s'est passé à l'installation d'origine. Donc c'est toujours intéressant d'aller regarder comment la machine a été installée. Et là dans ce cas de figure, eh ben, on a des petites informations, notamment bah, le fait de... je vais hop, le mettre comme ça. Le fait d'avoir des fichiers de conf. Et oui, effectivement, comme le dit Sément d'ailleurs, bonsoir à toi. C'est super utile pour avoir une base de travail pour ensuite itérer dessus. C'est tout à fait intéressant. Donc, j'ai viré certaines de mes customisations. Et ce que je ferai, c'est que bah, je vais les mettre au niveau de Cloud Init. Cloud Init qui d'ailleurs va être démarré. Et installé. Si je redescends plus bas, voilà, on a notre petit truc custom avec à la fin Cloud Init. J'ai mis des petites lignes vides, ça c'est plus moi pour me rappeler certaines choses. Je vais quitter VI. Et puis on va faire un petit hop. -1-f varlog, j'ai dit varlog nginx access.log, voilà. Et ensuite on va repartir. Tiens, j'avais un cinit 3, ça devait être le hop, ça dégage aussi, on va l'ouvrir et on va démarrer. Hop, je veux le CD et ensuite. Alors, j'aime bien quand c'est verbeux. Inst.ks 10.5.0.2. Et
Hop, cinit.cfg. Voilà, voilà. Donc, pendant que l'installation se déroule, qui se déroulera d'ailleurs normalement en mode texte. Pour revenir sur le schéma, en gros, l'idée va être de pouvoir ensuite démarrer facilement des machines virtuelles qui iront dans ce réseau-là ou ailleurs, et de pouvoir ensuite personnaliser, avoir un premier niveau de personnalisation avec Cloud Init. D'ailleurs, ce qu'on va faire... Bah tiens, d'ailleurs, il a été récupéré. Et il démarre. Cool. Je vais regarder à nouveau le contenu de ce fichier-là. Et on va pouvoir se dire que dans un premier temps... Il était où mon utilisateur que j'ai mis en commentaire? C'était là. Voilà. Alors... Si je regarde la documentation de Cloud Init qui dit que tiens, bah, on peut créer des... on va créer un utilisateur. On va le faire tout de suite. Hop. Hey, salut Xavier! Bonsoir à toi aussi. J'espère que t'as pas trop patienté avant que je te réponde. Donc là, j'ai mon fichier... est-ce que je pourrais pas le mettre par ici? Non, ça va vous gêner. Parce que là, j'ai ma petite doc Cloud Init. Bon, je vais la mettre... Hop, je vais la mettre par là. Non, tu viens d'arriver. Ok, cool. J'avais un autre utilisateur qui s'appelait HostMin. Bah en fait, hop, hein, ça va être... hop. Ça va être moi. Alors, quand on regarde les users, il met default name full. Ah ouais, d'accord, il est assez, assez complet. Donc, a priori, alors, ce que je vais faire, juste par précaution. Voilà. Et... voir ça. Alors. Comment est-ce que on va pouvoir adapter le fichier? Alors a priori, le truc partirait... Alors c'est un peu bizarre parce que là, j'ai un exemple cloud config. Hop là. J'ai un exemple cloud config. Et cet exemple cloud config... j'ai pas le même format. Mais ok, on va essayer. Est-ce que j'ai un truc pour définir le hostname là-dedans? Dans ce... J'ai pas l'impression. On verra bien. On va tester, hein. De toute façon, ça peut pas forcément fonctionner tout du premier coup. Donc, ce que je vais faire, c'est que... je vais faire... non, peut-être pas. Je vais juste me mettre ça de côté. Hop. Voilà. Et tout le reste, ça dégage. Et on va pouvoir ensuite itérer dessus. Donc, d'après le... d'après la doc que je vous ai... que je ne vous avais pas, a priori, collé. Et que je vais corriger ça tout de suite. Hop. Là. Voilà. On dit quoi? Users. De toute façon, on va pas s'emmerder, en fait. On va faire... Alors, histoire que vous voyez en bas, on va refaire comme d'habitude.
Voilà. Voilà. Et donc. Fait ça, on fait ça. Oh. Non, fais pas ça. Bon. Tant pis, c'est pas grave. Voilà. L'indentation a l'air bonne. Hop. Alors. Le name, bah, ça va être Nils. Le GECOS. Nils. Primary Group. Bah, Nils. Users. Et on va rajouter Will. Hop. Ça, on s'en fiche. Date d'expiration, on s'en fiche. Lock password, bon, on va dire. Ouais, false. C'est pas mal, false. Par contre, ça. On va voir. Hein. Alors, ça, c'est marrant parce que le. Ça, c'est donc la forme hachée du mot de passe. Et. D'ailleurs, pendant ce temps-là, hop, la VM ne tourne plus. Elle a fini de s'installer. Cool. Alors. Est-ce que je peux faire. Est-ce que je peux faire. Oups. Est-ce que je peux faire. Ça. Voilà. Est-ce que par miracle, j'ai moyen de copier-coller? Non, a priori, pas dans ce sens-là. Des fois, dans certaines conditions, ça, il y a du copier-coller qui passe entre les machines. Je vais peut-être le tenter en plain text, hein, je vais pas m'embêter. Je changerai ça à un autre moment. Et on va lui mettre et bah, tout simplement password, parce que je suis en environnement de test. Et ce qu'on peut rajouter, c'est faire un SSH authorized keys. J'ai dit authorized keys. Remarque, hop là. Hop. Voilà. Donc déjà, on va voir si j'arrive à faire un utilisateur comme ça. Et là, j'ai un metadata. Donc la machine va peut-être s'appeler quand même CINIT2. Donc, il va me créer une nouvelle VM qui va s'appeler CINIT2, 4 Go de RAM, 4 V CPU. Ce sera en variant, c'est Fedora 35. Donc, il va falloir que déjà que vu que je suis censé l'importer, tiens d'ailleurs, je vais peut-être faire hop, ici, comme ça, je comprendrai mieux qu'il va m'importer le disque. Donc, pour m'importer le disque, donc en gros, je lance un rsync. Ah oui, c'est vrai que vous ne voyez peut-être pas complètement en entier, mais grosso modo, je suis assez. Enfin, le hack est. Alors bon, c'est vrai qu'il. Le A, c'est peut-être un peu abusé dans ce cas de figure-là, mais le principe étant de préserver les droits, de faire de la récursion, change toujours, c'est moins archive, quoi, ou moins all, je sais plus. Le verbe, le P qui permet notamment de préserver aussi les droits. Je me demande s'il n'est pas un peu redondant avec le A d'ailleurs. C'est surtout ce qui est intéressant ici, ça va être le moins grand S. Au cas où le fichier soit un fichier sparse. Et donc je copie, alors vous voyez peut-être pas, mais
du fichier cinit.qcode2 vers le cinit2.qcode2. Mégaoctets-secondes. Oh, tiens, ça y est, ça descend. Mais j'ai pas l'impression que ce soit forcément du... du sparse, non? J'ai un doute. Ok. Voilà, je crois qu'il a, il est quasiment fini. Voilà. Parfait. Et à partir de là, on va pouvoir lancer ma petite commande de virt install. Donc, il me démarre en mode texte la VM. Et est-ce qu'il va faire des choses dans Cloud Init? Roulement de tambour. La machine s'appelle CInit2. C'est plutôt bon signe. Et j'ai pu me loguer en tant que Nils. 10.6.0.147. Alors, je vais peut-être pas... Hop. 10 points. Alors, est-ce que je l'aurais pas déjà laissé dans mon... Voilà. 10.6.0.147. Et je me suis connecté sans mot de passe. Je me suis connecté sans mot de passe. Alors bon, pour l'instant, Nils, il a un ID de 1000. Voilà. Là, j'ai réussi à faire fonctionner Cloud Init depuis mon image custom. Ça y est, enfin. Enfin. Maintenant, on peut passer aux choses sérieuses. Maintenant, ça marche. Ah. Chic, 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 chic. Je vais enfin pouvoir conquérir le monde. Merci, Xavier. Alors. Eh ben, est-ce que j'ai un sudo là-dessus? Non, hein. Ah, si. Si. Donc je peux faire un sudo power off. Hein. Et ouais, parce que comme je me suis mis dans le groupe will et que sudo est installé. En fait, si je descends un peu en bas, on a normalement. Hop. Voilà. Par contre, effectivement, il me faut toujours un mot de passe, mais comme le mot de passe route, je l'avais déjà. Il faudrait d'ailleurs que je vois si je peux redéfinir le mot de passe route dans Cloud Init. Tiens. Normalement, ça doit pouvoir être possible. Hop. Comment ça reste? Ah oui, restarting guest, oui. Il le restart parce que comme le premier démarrage c'est considéré comme l'installation, il redémarre toujours après. Virer sh destroy cinit2 et bim. Alors je vais l'effacer ici. Hop. Voilà. Bien, donc la bonne nouvelle c'est que j'ai pas à refaire un kickstart. Par contre, on va pouvoir continuer à implémenter les trucs que j'ai enlevés du Kickstart pour les mettre dans le Cloud Init. Donc déjà, je vais continuer avec mon utilisateur. J'aimerais bien pouvoir lui définir l'UID et le JID. Alors, allez où la doc? Hop là. Est-ce qu'il y aurait un truc du genre toutes les options qui traînent quelque part? Hmm.
Users and groups, dans les modules. Ok. Alors. Donc, si je vous montre un peu la documentation là. Donc, a priori, on peut donc le configurer. Ok, le nom, le home dir, inactive, ok. No create home, no log init, ouais, ok. Jusque là, tout va bien. Le shell, c'est cool. Sudo système, voilà. UID. C'est bien ça, UID. Hop, alors, ici, on revient. Voilà, hop. Non. Var lib virt, voilà. Et boot, hop. Et c'est le user data. Et donc, on va pouvoir lui dire, hop, ici, l'UID qui vaut 5001 parce que ça m'amuse. Est-ce que on peut lui mettre un GID ou pas? Ou alors est-ce qu'il faudrait pas que je crée le groupe d'abord, que je définisse à ce groupe le GID et que ensuite je dise je pense que ça va être ça, hein. Je pense que ça va être ça. Alors. J'ai pas l'impression qu'il y a énormément de choses sur les groupes, c'est quand même bizarre ça. Je peux pas. Alors, ouais, users and groups, ok. C'est quand même bizarre ça, parce que au niveau groupe, je vois rien pour mettre un GID. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je vais aller regarder sur le grand internet convivial. Est-ce que CloudInit groupe GID? Et comme d'habitude, on tombe sur Stack Overflow. Avec une question qui date de 2019. Et la personne en question utilise un truc qui s'appelle RunCMD, donc pour pouvoir lancer une commande custom. Il y a un bug sur le launchpad, puisque CloudInit a été créé par Ubuntu. Donc. Il y a pour lui des. Là, il y a un autre qui a un patch. Ça date de 2015 quand même. Alors, est-ce que ça serait la doc qui n'est pas à jour ? Alors. Ah, l'UID n'est pas respecté? Hein? Si l'UID dans le config file est parsé en tant qu'integer, ça échoue.
Alors. Ok. Ok, donc je vais vous le poster ça. Ça peut être amusant, enfin, ça peut être intéressant à voir. Visiblement, il y a toujours quelques petites limitations à ce niveau. Donc a priori, ce que j'avais vu sur Stack Overflow, c'était ça, en gros. Bon, run CMD et puis paf. Alors la question que je me pose, c'est du coup, est-ce que le run CMD va être dans le même ordre si je le mets avant? Est-ce qu'il va le lancer avant? Donc a priori, donc je fais group add moins g 5001 nils, voilà. Primary group nils, bon, il existe déjà. Ok. Allez. Donc je vais relancer mon installation. Enfin, je vais refaire une nouvelle. Du coup, il faudrait que je relance un rsync. Hop. Alors, du coup, c'est pas ça. Ce sera le cinit. Remarquez, je suis en train de penser un truc. Ah non, mince, je peux pas. Je peux pas. Je suis en train de me demander si j'ai pas moyen de faire juste le premier démarrage sans fichier de conf cloud init. Mais après, je saurais pas trop comment lui rajouter ça. Est-ce qu'on virait ça? Il y a moyen de. Est-ce que j'ai installé la page de manuel? Je suis même pas sûr d'avoir installé les pages de manuel là-dessus. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Virer ça, je m'en help. Est-ce qu'il aurait un truc de cloud init dans le vir sh? J'ai un doute, hein. Non. Je peux pas lui dire de démarrer en lui donnant un fichier de. Bon. Eh ben, cinit.qcode2. Et vers ça. Donc il va falloir que je fasse une copie à chaque fois. Bon. C'est pas dramatique, mais j'aurais quand même aimé me l'éviter en faisant genre un snapshot. Et puis ensuite, je reviens sur le snapshot à chaque fois. C'est un peu ennuyeux quand même, d'un côté d'avoir à détruire la VM et la recréer. Ceci étant, je suis en train de me dire. Ouais, non. Je suis en train de me dire, on peut détruire la VM sans détruire le disque. On fait juste un undefine au niveau d'IRSH. Mais le truc, c'est que le fichier de VM, il existe. Et du coup, il a déjà été modifié. Donc après, difficile de se dire, les modifications en plus qu'on vient mettre, est-ce que c'est pas celles qui avaient déjà été faites avant? C'est pas évident hein, comme manière de penser. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires hein, dans le chat si jamais il y a un truc qui vous intéresse, un truc que vous voudriez qu'on essaye dans Cloud Init. Hop, allez. Il y est presque. Voilà. Allez. Donc ça, c'était le fichier de conf. Il démarre, ok. Et
Paf, il lance Cloud Init. Voilà. Ah, il a failed. Il a failed. Ok, il m'a quand même créé un utilisateur NIMS, donc c'est déjà pas mal. Et l'UID et le GID sont à 1000. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le petit Cloud Init? Donc ok, il régénère les clés. Et Groupad, Nils already existe. Ah, c'est ça qu'il a enquiquiné. Mais le truc, c'est que je lui ai demandé de faire un... Ah oui, donc ok, donc il y a un ordre. A priori, il y a un user Fedora. Ok, donc en fait, il a créé l'utilisateur Fedora qu'il a. Va falloir que je comprenne comment je peux faire en sorte que ça ne soit pas fait. Ah, on peut lui mettre un sudo. Intéressant. C'est ça, je vais vouloir le faire. D'ailleurs, je vais le copier-coller tout de suite. Hop. L'avantage d'avoir... Voilà. Donc a priori, le run CMD se lancerait après le users. Ah, mais c'est parce que j'ai mis default. Oh, maintenant je l'ai mis. On va essayer, tiens, on va enlever ça. On verra bien ce que ça donne. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Tiens, il y a quelqu'un qui a fait une introduction à Cloud Init en français. Alors, donc lui, il a un user avec le ID 1000 de ce qu'il dit, et un M user avec le ID 1001 ce qu'il a. Et en fait, il a A user, ouais, il a M user. Ah, il faut le mettre entre côtes. Single quote ou... Hop, double quote a priori. Voilà. Allez, c'est reparti pour un tour. Je suppose que si je suis entier à mon HL var liblibvirt images hein, cinit étoile, et j'ai toujours le cinit 2. Hop là. Hop, c'est reparti pour un tour.
En théorie, l'image fait 22 gigas. Là, en pratique, elle fait 2 gigabits. Donc en fait, là, normalement, il est censé copier du vide. Pourtant, je lui ai dit moins grand S pour le sparse. Oui, bon, d'accord, j'ai compris, elle n'est pas encore créée. On en est à 80%. Allez, allez, AirSync. Alors, si vous vous demandez pourquoi ça prend un peu de temps, c'est que c'est un disque rotatif. Certes, il est à 7200 tours minute, mais ça reste un disque dur rotatif. Je n'ai pas encore craqué au point de prendre un disque, un SSD d'une capacité suffisante pour la totalité des VM sur le Home Lab. Hop, voilà. 3,6 Go? What? What? Alors, ce que je vais faire, avant de lancer le... est-ce que j'ai un truc avec du sparse là-dedans? Préserve, ok. Suffixe. Est-ce que CP c'est faire du... Ah, par défaut, les sources en sparse sont détectées. Putain, je vais le tenter dans le doute en moins moins sparse always. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire... CP-VP, moins moins sparse always. On va faire de celui-ci à CINIT CP. Voilà. Ah, il était rapide, dis donc! Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ok. Ok, donc en gros ça ira beaucoup plus vite que je fasse un CP. Ok, je... Il a sûrement pas sync encore, c'est probable. Sync, sync, sync. Ok. Ok. Pourquoi pas. On va voir ce que ça donne. Hein. On va lancer l'installation, on va bien voir. Hein. Ça se trouve, il va me faire des chocs à pic. Hein. D'ailleurs, bonsoir à toi, hein, VLMAT314. Alors, il a failed encore, ok. On va aller voir pourquoi. Hein. Ok, je suis toujours connecté. Ah, j'ai même plus besoin du mot de passe. Donc ça, c'est pris en compte. Si je fais un ID de Niels... Ah, j'ai lu ID à 5001. Ok. Ah, tiens, on a... On a quelqu'un de nouveau ce soir, first time chat. Inukai, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Oh bah écoute, moi ça va toujours bien, surtout quand je m'amuse comme ça avec des VM, avec des trucs. Voyons voir ça, qu'est-ce qu'il a ?
Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, toujours pareil, groupe pad, groupe nil, donc il crée vraiment. Ok. Et qu'est-ce qu'on a comme. On a un cloudinit.log. Il y a quoi là-dedans? Ton ordi t'a lâché. Ah, bah mince alors! Bah écoute, j'espère que tu arriveras à le réparer. Est-ce qu'il y a des informations là-dedans qui permettraient de. Non, il y a des mods SELinux qui sont. Ah, tous les trucs debug. Oh là là! Alors. Bonsoir Fred 4032. Bienvenue sur. Bienvenue sur la vidéo, sur le live. Coup de marteau? Oh non, non, non! C'est un peu triste ça, coup de marteau. C'est un foutu problème de BIOS. C'est pas évident des fois le BIOS. Il y a toujours la possibilité, selon le type de machine, d'enlever la pile un moment pour remettre à zéro. Après, quand c'est un ordinateur portable, aujourd'hui, accéder à la pile de BIOS d'un ordinateur portable, ça devient sportif. Running commande, ouais. Il y en a un, c'est un vrai, hein. Depuis un client IRC en CLI. Ah, je suis assez d'accord, IRC Rules. Donc l'information pour join le chain IRC de Twitch est a priori pas si privé. Le truc peut-être se connecte directement en IRC dans l'interface web. Donc il n'y a plus qu'à regarder. Ah, c'est peut-être que c'est pas le bon BIOS, ou alors t'as le dernier pour cette machine, le dernier publié par Dell. Inukai. Alors, groupe. Donc, un user add. Moins moins UID 5001, ok. Ah non, mais a priori, il commence d'abord. Alors, je vais regarder à nouveau la documentation parce que la documentation, qu'est-ce qu'elle dit quand on crée un utilisateur? Ah, donc en fait, il peut-être qu'il. Non, mais pourtant, s'il crée le groupe avant. Hey, salut à Haribo! Parce que pourtant, parce que si j'ai l'UID qui est à 5001, ça veut dire que il n'y avait pas du, enfin, il l'a bien fait. Mais si le GID est à 1000, ça veut dire que il crée le groupe d'abord quand il va utiliser le user, quand il va faire le user, et la commande vient après. Ou alors je fais un truc goré, je fais un, non, si je fais un groupe Dell, le truc il va chouiner en disant hey, il y a un utilisateur qui est dans ce groupe. Ah, c'est pas évident, hein? C'est pas évident. Est-ce qu'il y a moyen de changer l'ordre des. Est-ce qu'il raconte des choses là? Il met les groupes. Bon, je pense que je vais pas passer 2 heures dessus parce que bon,
Juste pour un GID, c'est pas dramatique. On verra un peu plus tard, je pense. Je pense. Juste au cas où des... Ah non, remarque si on veut. Bon. Hop, on fera ça à un autre moment, le groupage, je pense. Hop, voilà, allez. Ah, peut-être tenter, juste au cas où, des fois que juste soit pas documenté. Des fois que ce soit pas documenté, en fait. Puis si ça marche pas, ça marche pas, c'est pas dramatique. Maintenant qu'on a fait un users, ça c'est cool. On a fait le sudo, ça c'est cool aussi. On peut créer des fichiers arbitraires. Alors qu'est-ce que j'avais dans les confs? Hop, c'est là. Viens voir par là, toi. Et dans la conf, on avait... qu'est-ce que j'ai mis en commentaire? Alors des trucs comme la swappiness ou le... Ah, si le TS flags... Oh, ça peut s'arranger peut-être la swappiness. Allez, on va le faire. Ça peut être un bon exercice. Donc il y a juste à faire write files. Ah, on peut créer un... Oh punaise, un encodé en base 64. Ah ouais. Ou alors en binary. Ah ouais. Ah, c'est osé. Dans le truc là, la doc que j'avais qui venait d'opensource.com, là, le petit tutoriel, lui il disait oh vas-y content. Oh, écoute, on va pas s'embêter. Hein. On va se baser là-dessus. On va se baser là-dessus. Hop là. Allez. Ah tiens, on va revenir par là. Hop. C'est marrant, pendant que je suis en train de faire du cloud init, il y en a qui sont en train de se poser les questions sur des mises à jour de BIOS et des options. Alors, déjà, le chemin etc 6CTL, si je me rappelle bien, hein. Hop, 6CTL.D. 6CTL.D et 98-swappiness, j'ai mis. .conf. Ça c'est bon. Et le contenu. Hop. Le contenu c'est vm.so. Voilà. Hein, j'ai été un peu. C'était un peu abusé. Vm.swappiness. On va le mettre à 5. Allez. Ensuite. Et ben ensuite, on enregistre et puis on va retester, hein. C'est reparti. Hein. Faudra un screen cap du message. Ouais, effectivement, si vous tentez de débugger des problèmes de BIOS dans le chat de mon live, sans screenshot, ça va pas être évident. Ah bah bien sûr, le Discord, il y a le Discord de la chaîne, hein, Inukai. Il y a le Discord de la chaîne, le lien est là. Le lien est là. Voilà, exactement. Alors, on va faire un RM de ça. Ensuite, un CP moins VP moins moins sparse égale always. Hop. De ça vers ça. Voilà. Alors non, ce sera pas ça en fait. Puisque ce fichier-là, hop, voilà. Et en fait, vir sh list grep, c'est une de running. Donc, déjà, vir sh, on va détruire. C'est une de. Voilà. On va lui dire de... On va faire un undefine parce que comme ça on dit qu'elle n'existe plus.
on efface notre fichier de conf. On copie notre disque dur. Et on lance la réinstallation. Voilà. Tout dans un one-liner. Et puis je pourrais l'utiliser dans le depuis l'historique. Bim. Ça ira plus vite comme ça. Mais il n'y a pas de souci, Nukai. Sois pas désolé pour tes questions. Hein. Tu. Il n'y a aucun souci. Alors. Il a l'air d'avoir fini proprement. Ça, c'est cool. Alors maintenant, roulement de tambour. J'ai réussi à me loguer. C'est plutôt intéressant. Et par contre, le GID n'est pas honoré. Alors, juste au cas où. Alors, en plus, pop notre page. Nickel. On a notre cloud init output. Notre cloud init. Tiens, on va aller regarder tout de suite. Le cloud init.log. On va aller chercher Nils. Alors, il crée. Ok. Donc, il a bien un moins GID. Il y a un moins GID, mais a priori, il s'en sert pas. Il l'ignore complètement. Dommage. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, il a créé l'utilisateur, donc jusque là tout va bien. Je suppose qu'il m'a refait un utilisateur Fedora. Hein. Ah non, non, non. Il m'a pas fait d'utilisateur Fedora. Donc en fait, il se met à créer l'utilisateur Fedora quand le truc se gaufre. C'est bizarre ça. C'est bizarre. Bon, ça sent. J'ai un peu du mal à comprendre le comportement de Cloud Init, mais bon. S'il m'a pas recréé d'utilisateur Fedora, c'est pas grave. Je dirais même tant mieux, ça m'arrange. Je ne voulais pas qu'il le fasse. Maintenant, si je fais un sysctl vm.swapiness, il l'a laissé à 30. Pourtant, il a créé le swapiness. Donc il a créé le fichier. Il a créé le fichier, ça ne veut pas dire qu'il a appliqué la conf. Ok. Par contre, si je reboot, là si je fais un reboot, voilà. Donc là, je suis en train de rebooter la VM. Voilà. Et là, elle est à 30 encore. Ah, c'est les côtes. Je sens que c'est les côtes. On va vérifier ça tout de suite. Si c'est les côtes, on les enlèvera. D'ailleurs, elles sont. Ah, ok. Ok, c'est bon, c'est ça, c'est les côtes. Ok. Alors. Hop. Ah, mais ça m'embête parce que là, du coup. Oups. Remarque, je peux peut-être lui dire. Peut-être le faire comme ça. Je peux peut-être tenter comme ça. On verra ce que ça donne. On peut passer à un autre truc éventuellement. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme paramètre qui pourrait être amusant?
Enfin, amusant et intéressant surtout. Parce que là, pour le moment, on a copié. On a créé un fichier. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de rajouter un truc dans un fichier existant? Alors, on peut ajouter des repos. Ouais, c'est pas con ça. C'est pas con, mais je crois que dans mon Kickstart, je rajoute déjà un repo. Il est où le. Hop. Je crois que je rajoute déjà un repo parce que, en fait, ouais, j'ai. Non, attends. Repo. Ah non, j'ai juste base, j'ai juste le truc de base et les updates. Je pensais que je rajoutais genre RPM Fusion ou un truc dans le genre. Mais ce n'est pas le cas. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Donc, a priori, on peut faire un repo. Et a priori, on a un truc en mode YAML façon. Alors, si jamais je veux la. Si je veux faire ça, est-ce qu'il me donne un truc quelque part ou est-ce qu'il revient sur module yum add repo? Module yum add repo. Alors. Yum repo, repo name, base URL, name enabled. C'est tout ce qu'il me dit. C'est tout ce qu'il me dit. Any repository configuration options, si man yum.conf. Ok. Ok, donc. Donc on va pas se gêner, hein. Juste par précaution. Je sais plus si j'ai. Alors, ma question, l'une de mes questions que je me pose, c'est est-ce que j'ai. J'ai pas installé RPM Fusion sur cette machine-là. Sur celle-ci, normalement, je l'ai. Hein. Ouais, je l'ai. Free, release, upstream. Tiens, j'ai pas le non-free là-dessus. C'est bizarre cette affaire. C'est bizarre cette affaire. Alors, on a la machine là. DNF. Est-ce que par hasard. Le. J'ai un gros doute, mais je. Parce que autant sur du CentOS, EPL fait partie. Enfin, EPL. Le paquet EPL release qui permet donc d'installer le dépôt EPL est dispo dans les dépôts de base de CentOS. Mais j'ai comme un doute sur le fait que RPM Fusion soit dispo dès l'install de base de Fedora. J'ai même un très très gros doute. Non. Alors, eh ben on va. Hop. Alors. À partir de là, bah, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va l'appeler RPM Fusion-free. Base URL. Alors, je suis en train de penser à un truc. Le base URL, est-ce que c'est. Est-ce que. Ouais, non, RPM Fusion, ils ont pas de. Ils n'ont pas forcément de miroir. Donc ce que je vais faire. Je suis en train de prendre l'URL directement sur mon ordinateur hein, qui est sous Fedora aussi. Donc tant qu'à faire. Hop. Alors pourquoi j'attends. Là j'avais un. Il y a un truc qui me chiffonne dans leur truc. Repo name. Name. Bon, ok, deux fois le repo name. Ouais. Why not? Enabled. Ah bah oui, on veut l'activer, oui. Euh,
Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre ici et on va l'appeler -update avec un s. Hop. Et le base URL, hop. Voilà. Base URL, lui par contre. Oula, si je fais. Ouais, non, c'est bien ce que je craignais. Hop. Non. Hop. Voilà. Petit copier-coller. Donc on doit pouvoir ensuite, à partir de ces deux repos, on doit pouvoir installer, si on a des packages. Est-ce que là-dedans, il y a moyen d'aller dire installe-moi un paquet ? Là, j'ai un APK APT configure OK. Alors... Est-ce qu'on aurait un truc du genre non non time zone, ah intéressant, spacewalk, bon c'est un peu dommage hein, spacewalk. Alors remarque, ça doit pouvoir peut-être utiliser avec la suite entre guillemets de spacewalk. Alors je pense pas à Catello qui est un produit complètement différent, mais comment ça s'appelle déjà, Uyuni ou Zuni, je sais plus, mais bref, il y a un projet qui après l'abandon de Spacewalk, qui est un projet qui a plus ou moins pris la relève, je crois. Mais ce que je voulais, c'était regarder où est-ce que je peux installer des packages. Package update, upgrade install. C'est bien ça. Voilà. Donc, packages. Et on va pouvoir lui dire, vas-y, installe un truc. Allez. Hop. Et on va lui dire... On va installer RPM Fusion. RPM Fusion-free-release. Alors il y en a un autre de package, mais celui-là je me rappelle pas l'avoir installé. Il s'appelle RPM Fusion-free-upstream-data. Mais à mon avis, ça doit être une dépendance. Hop. Donc ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oh, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Vous savez, j'en vais enlever default. Ça va être pour ça que l'utilisateur Fedora, il est plus là. Je retesterai après, tiens. Ok, donc déjà on a rajouté pas mal de choses. On va voir ce que ça donne. Donc là j'ai ma machine. Hop. JRSH destroy undefine RM, il copie et il installe. C'est parti. Ah je suis content là. Je suis content, en plus la copie est bien plus rapide. Voilà, hop, le Cloud Init qui s'est lancé. C'est quand même tellement mieux quand Cloud Init se lance. Hein. Et voilà. Allez. Alors, si je fais un ID NIMS, ok. Si je fais un 4ETC6CTL.D98 swappiness, j'ai pas de quote. Donc si maintenant je fais un sudo 6CTL, alors je crois que c'est moins P. Hein. Ensuite un sudo 6CTL vm.swappiness. Ah, tiens, il a pas fini les trucs. Ah, il est encore à 30.
Moins payload. Ah oui, d'accord. Fallait que je lui dise. Fallait que je lui dise moins p etc 6ctl.conf. Voilà. Il est toujours à 30. Pourtant, le etc6ctl.conf, il est censé dire vas-y. Non. Ok. Bon, on va lui dire. Ah oui. C'est peut-être le 99. Je vais d'abord faire un 4 dessus pour voir ce qu'il fait. Hop. Ouais, non, c'est. Oui, c'est le même fichier. Ok, donc là normalement il l'a. Il l'a pris en compte. Ok, c'est cool. Ensuite, sudo dnf repolist. RPM fusion free, RPM fusion free update. Bon après. Moins QA, moins Q, RPM fusion -free -release. Il est pas installé, tiens. Non, tiens, il l'a pas installé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir. Hein. Alors, déjà, ça, c'est OK. Si je cherche un swappiness. Swappiness, OK. Et si on cherche maintenant notre histoire de RPM Fusion. Donc qu'est-ce qu'il dit? Donc il dit qu'il n'a pas réussi à l'installer. Il dit qu'il n'a pas réussi à installer. Ok. Et ensuite... question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'à un moment il a fait un yum quelque part. Yum add repo, ok. Donc il fait bien le yum add repo. Et il a dû utiliser avant... ah, tiens, on va aller vérifier si on fait ici rpm fusion -free -release. Hop. Donc là, il a d'abord essayé, il a essayé de l'installer, ok. Et si je cherchais slash yum, pattern note. Ah ? Donc le yum du add repo. Faire un truc dingue. Hop, on va carrément faire un vim dedans. Voilà. Hop. Alors, il y a peut-être moyen d'avoir les infos de ligne avec l'S, mais là comme ça j'ai pas. Je me rappelle pas donc. Yum add repo ligne 644. Ligne 644. Ah zut. Fusion-free-release. 707. Donc... Pourtant les paquets... les... Remarque, je l'ai vu faire un genre de refresh après. Donc si ça se trouve, il a posé les confs. Ah, puis en plus, les fichiers, c'est pas RPM fusion underscore. Enable 1. Et donc, si je fais un DNF search,
rpm fusion -free -release. Il existe, il est là. Ok. Créé par CloudInit. Ok. Alors, dans ce cas précis de RPM Fusion, j'aurais tendance à vouloir plutôt carrément faire une commande DNF install avec le lien vers le fichier en dur. Le fichier de release en dur directement. Si je fais un DNF search, qu'est-ce que j'ai dans RPM Fusion qui pourrait ne pas être ailleurs? Je crois que VLC par exemple, il vient de chez RPM Fusion de mémoire. Ouais, RPM Fusion Free, allez. Si je fais un DNF search VLC, là normalement il me le trouve. Ouais. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Il y a un package update à faire peut-être avant. Ah non, c'est package update, package reboot if required. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de lui dire? Parce que là, il y a des config keys. J'aurais bien aimé pouvoir lui dire, hey, vas-y, rafraîchis-moi le truc avant de passer. Parce que là, dans les packages install, il y a package update patché. Hein, apt package. Ah! APT update, c'est un alias pour package update. Donc je vais peut-être faire ça. Package update, et je vais le mettre à true. Il est ici. Ah, non, il est dans le... Il est au même niveau de... Ok. Alors... Update à true. Voilà. Et ensuite, ce que je voulais tester, c'était si on, en fait, ça se trouve, ça, c'est, il dit juste default parce que ça revient au même utilisateur. Ok. Oh, putain, j'ai bien mis tiret ici, tiret là. Ok, bon, on va bien voir, on va bien voir. On quitte la VM, voilà, et c'est reparti pour un tour. J'ai bien sauvé. Ouf. Ça se trouve, j'ai peut-être sauvé un peu tard. J'espère que j'ai sauvé assez tôt. Ah, il a encore de faire un refresh, on dirait. Et voilà, c'est ça. Le tiret default, c'est l'utilisateur Fedora. Ok, donc, hop, ça dégage. Voilà. Ensuite. Ah, non, ça a encore échoué. Ah mais voilà, il est en train de finir, ok. Metadata cache, ok. Quoi, il avait pas fini? J'étais déjà logué, il avait pas fini? Ah, il avait pas fini.
À moins que ce soit pas implémenté. Ce qui est une probabilité, hein. Ce qui est une probabilité. Bon. C'est un peu dommage. Là, c'est un peu dommage. Je suis. On saura que voilà, rajouter des repos et pour installer des trucs, des cloud init, c'est peut-être pas forcément le truc le plus. Le plus évident. Vaut mieux faire ça dans un outil de gestion de conf. Alors, qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme module qui pourrait être amusant à jouer avec? Si vous avez des. Je vais peut-être faire la liste des. Je vais peut-être vous poster la liste des modules ici. Voilà. Je vais vous poster cette URL. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez qu'on joue avec certains modules. Hop. Et sur le chat. Hop là. N'hésitez pas à me dire dans le chat si jamais vous voyez un truc. Moi, pendant ce temps, je vais faire joujou avec le final message. Tiens. Oh, en plus, on peut jouer à des. Oh, allez. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Version. Bah, écoute, hein, allez. Version. Ah! Jinja template with following variable set. Ah ouais, mais en fait, comment il va fonctionner lui? Finished at timestamp. Je pense que je m'y prends pas comme il faut, hein, mais from data source. Hop, voilà. Allez. Y a aucun module qui vous intéresse en ce moment? C'est reparti pour un tour. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme module hein? Biobou. Setup fan. Ok. Ah oui, d'accord. Alors, on a du chef. Est-ce qu'il y a de l'Ansible? Est-ce qu'on peut lancer un Ansible depuis. Non. Ça aurait été marrant. Mais déjà, on peut configurer un utilisateur avec une clé SSH et du sudo. Ce qui veut dire qu'on pourrait créer. On pourrait créer des choses intéressantes. Grub dpkg, install outplug, keyboard, keys to console, ok. Ok. Bon, de toute façon, il y a toujours le run cmd hein, qui pourrait être utile. Alors, where are the logs? Ok. Où sont les fichiers de conf? Ok. Les fichiers de data
Quelle data source j'utilise? Ok. Ah, on peut faire un force, ok. Ah, fatalement, ils essayent de promouvoir leurs propres outils, logique. Générateur local network config final. Donc on peut peut-être... Ah bon, ça, ok. Parce que j'aurais bien aimé voir si dans la documentation il y avait un truc pour dire dans quel ordre... Dans quel ordre tout ça, ça se lance. Ah, faudra qu'on essaye, tiens, ça, de lui configurer une autre IP. Net plan pass. Oh là! Version 2, configuration format. Ok. Ah, on peut même lui donner un... Ok, cool. Ah, on peut même créer des agrégats de... Oh là là, c'est intéressant, ça. Je sens qu'on va s'amuser, là. Je sens qu'on va s'amuser. Allez. Alors, déjà d'une... Ça, jusque-là, pas de soucis. Qu'est-ce que j'avais rajouté? Le final message. Ah, je l'ai pas vu, le final message. Bon, il a failed. Ok. Ah, si, il est là. Il est là. Ok, donc, en fait, si je veux revenir... Alors, la note configuration. Ok, mais si je veux revenir dans les modules... Et que je veux le final message. Hop. Ah, si c'est du Jinja template. J'aurais pu y penser avant. Non, pas ici. On va le faire comme ça. At. Hop. Je pense que du coup, je vais enlever les quotes. Hop. Ou pas. Non, je vais laisser. Bah alors, Fabstock qui a voulu des trucs, faire des trucs en majuscule. Tu peux écrire en minuscule, hein, Fabstock, y a pas de souci. Hop là. From data source. Hop. Oui, uptime. Et hop, on va rajouter ici. Oups là. Hop. Voilà. Donc, ça, comme ça, on pourra retester après. En attendant, c'est le réseau qui m'intéressait fortement. Donc, on peut faire network. Hop. Network. A priori, une version 2. Ok. Version 2. Hop. Ensuite, il faut lui dire Ethernet et les... Alors, driver, scalar,
Match name. Non, j'ai pas forcément. Ah. Je vais pas faire des bridges. Pas de VLAN. Exemple. Configurer un interface avec NetworkD. Identify un enable DHCP. Ok, donc Ethernet. Je comprends un peu mieux comme ça. Et là, on va mettre l'interface réseau. Alors, l'interface réseau. Ici, c'est le ENP1S0. Hop. Et DHCP4, on va mettre false. Et on va voir si on peut lui mettre ça en... et on va lui mettre ça en addresses. Ouais, c'est bien ça. Hop. Hop. Et donc, on était en 10.6.0.147. On va lui mettre 0.0.140. On va dire 137, tiens. Hop. Et je suppose qu'il faut que je mette un slash 24 derrière. Voilà, on va pouvoir le faire une gateway 4, vu qu'on va tout mettre en statique. Gateway 4, et forcément ça va être la 10. Hop, 10.6.0.1. Ok. Et ensuite, name server. Hop. Name server, comment je lui mets search et addresses comme ça. De toute façon, search. Hop. Et on va lui dire example.com, je pense. Bon, on va pouvoir laisser comme ça. Example.com. D'ailleurs, je suis curieux de. C'est... Alors, resolve.conf, à mon avis, voilà, network manager. Ok. 10.1.0.53. Parfait. Hop. Donc, ici. Allez, le name server, faut que je passe. Hop. Et là, addresses. Et je lui. Oups. Et je lui mets 10.1.0.53. Ok. Ah, il faut que je lui mette quand même le petit crochet. On va lui mettre les petits crochets. Et dans le doute. Hop. Hop là. Bon, on va pas rajouter des routes normalement. Puisque de toute façon, on a la gateway par défaut qui est déjà spécifiée. Et ben, on va rester comme ça. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc. C'est reparti pour un tour, pour probablement l'une des dernières fois de la soirée. Roulement de tambour. Je pense qu'après je vais faire un petit peu de nettoyage parce que là le truc qui tourne là. Cloud init running module final at Thursday. Ok, up 14 secondes. Ok, d'accord. Ok, cool. Je suis content là, je l'ai vu. Donc. Voilà. Bon, j'ai toujours mon. Je suis en train d'hésiter, du coup, à carrément retirer la partie user là et carrément de mettre en commande. Vas-y, rajoute-moi un utilisateur. Je pense que je vais le faire comme ça. Ok. Allez. Le yum repo, on va peut-être le dégager aussi, du coup. Enfin, en fait, ce que je vais surtout faire, c'est que je vais enlever ça, là.
Hop. Ah, quoique. Allez. Ah, mais du coup, si je crée un user add, si je fais une commande avec un user add, du coup, je vais pas pouvoir mettre. Faut que je. Ah non, ouais. Ah, c'est ennuyeux ça. La variable test, elle n'a pas été interprétée. Si, 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 je crois qu'elle a été interprétée. Parce que là, effectivement, là, tu vois, regarde, il a rien interprété, mais en fait, quand je remonte, il me l'a dit. Je sais pas, il me balance des trucs sur la ligne de commande, mais là, regarde, ici, il me dit bien Cloud Init Running Modules. Last message. Parce que là, effectivement, à la fin, effectivement, il dit un truc. Effectivement, tu vois, il a pas interprété le Jinja. Je suis assez d'accord. Et il n'y a pas que le timestamp. Il y a la version. Tiens, version. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Cloud Init version. Ouais. Alors j'ai peut-être oublié la version, mais ce qui est marrant, c'est que pourtant il m'a mis. Ou alors à moins que j'ai mis exactement la même chose que le truc de base. Ah, il y a le hat. Ah, effectivement, il n'a pas interprété le truc. Attends. Non, finished hat. Alors attends. Avec un exemple avec majuscule et dollars dans dans la version. Ah oui, c'est vrai que Next Impact avait fait un truc sur Cloud Init. Dollar uptime. Ah mais alors c'est chelou parce que ça c'est juste une variable. Hein. Les espaces après les. C'est chelou qu'il ait mis une variable type bash. Alors. On va faire un truc à la con, on va se dire. Hop. Another home cloud. Voilà. Guillemets simple et double. Ah! Alors on va tenter avec des guillemets doubles. On va faire dollar uptime. Hop, comme ça. À faire comme ça et est-ce que le package update package upgrade pour lui c'est ça va tout en haut? Ce serait comique. Upgrade. Hop. Le timestamp, l'espace. Hop, le timestamp, l'espace. Ah oui, bien vu, bien vu. Ah oui, bien vu. Bien vu, Fabstock. Hop. Bien vu. Ah, ce genre de petites typos, comme on les déteste. Allez, on va relancer. On va bien voir ce que ça donne. Et c'est reparti pour un tour. Croisons les doigts. Croisons les doigts. Donc, il démarre. Ensuite, il nous lance Cloud Init. Voilà. Ouais, non, donc ça.
Ça, c'est pas mon message en fait. Ça, c'est pas mon message non plus. Ah, là, il est en train de faire un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais le laisser finir. Je vais le laisser finir. Donc là, il est en train de refresh. Et là, il m'a. Ah! Donc ce serait dollar version en majuscule. Alors du coup, il a fini un peu plus tard que prévu. Ok, alors qu'est-ce que j'avais rajouté? Ah oui. Mais du coup, il a rien touché là. ETC. Ah oui, alors du coup, on est sous Fedora, ETC. Ah ouais. Alors. Il serait pas allé sysconfig. Il serait pas allé taper là-dedans. Non, bout de proto DHCP en plus. Je vais la rebooter, on va voir ce que ça donne. Parce qu'on sait qu'il y a des trucs qui sont des fois. Parce que ça m'intéresse de pouvoir configurer quand même une machine en IP statique. Ou alors ce sera pour un prochain épisode probablement. Ouais non, 147 alors que je lui avais dit de faire quoi? 137. Generated by Network Manager. Ok. Alors. Si Network Manager, il démarre différemment. Ouais. Alors, Cloud Init Network Manager. Ça veut dire qu'il faut que je me débarrasse de Network Manager pour Cloud Init. Alors, bug. Status fix released. Il date de quand ce bug? 2017. 2017. Attends, Cloud Init devrait configurer Network Manager pour ne pas gérer etc/resolve.conf. ETC Network Manager conf.d. Il m'a rien fait du tout. Ah, il y a un module resolve conf. Hop. Ok. Et ça me dit pas comment gérer. Ah. On aurait des propositions de ce côté-là. Alors, qu'est-ce que FabStock nous propose? Ah, mais c'est parce que tu veux. Ah, tu veux désactiver Network Manager? Ouais, c'est une solution, hein. C'est une solution. J'aimerais ne pas en arriver là. J'aimerais ne pas en arriver là. Haribo qui s'est battu avec resolve.conf pour avec tc-resolve.conf. Oui, c'est vrai que c'est systemd qui le résolve, qui le gère maintenant, mais
que là, a priori, la partie resolve conf. Ouais, mais en fait, de toute façon, le fichier IFCFG, si je vais dans etc, etc sysconfig network script, j'ai bien un IFCFG ENP1S0, mais en fait, il me dit bien créé par CloudInit. Ok. Mais tu regardes, il y a écrit boot proto DHCP. Hein. Alors que je lui ai dit DHCP4 false. Hein. Et je lui ai donné une adresse, une gateway, un name server. Donc à la limite, je comprendrais. Ce que je comprends pas, c'est que le truc me dit eh, au fait, j'ai créé ça. Mais je sais pas ce que je lui ai demandé de créer. Il y a des infos là-dedans, non. Ah zut. Juste login. Ok. Donc oui, Network Manager à la main, et moi je veux qu'il la garde quelque part. Mais en fait, de toute façon. CloudInit n'a pas fait ce que j'ai voulu qu'il fasse. Donc je suis embêté. Je sers 6 log, ok. Red Hat subscription, c'est pas ça. Resolve conf. On resize FS, mais qu'est-ce qu'il y a dans les modules 1? Mais il y avait un module network, mais enfin, c'est peut-être pas network, si. Mounts, NTP. Je l'avais trouvé où le net. Cloudin.redoc.io, ok. Network configuration. Ah, il est dans. Ok, il est pas dans les modules. Ok. Alors, système config. Alors, je me rappelle pas avoir vu un config disabled dans le tccloud.cfg. Non, il n'y a rien. Bon, je pense que ça va être une... Ah! Config drive, digital ocean, no cloud. Ah, c'est ce qu'on a vu, ça. On va quand même regarder. Ouais, non, c'est ce qu'on a fait. Alors, il y a des exemples en bas. Network. Est-ce qu'il y a un truc avec Network Manager? A priori, non. A priori, non. Bon, et bah tant pis. Pour le moment... Ça va rester l'un des trucs qu'on verra au prochain épisode, je pense. Bon, bah on a bien avancé, je trouve. Je trouve qu'on a pas mal avancé. Je sais pas vous, mais moi, j'ai le sentiment, après les deux premiers épisodes, là, de patauger un peu moins. J'aurais aimé quand même réussir à faire en sorte que le fichier soit récupéré par le réseau. Plutôt que comme ça lui donner à manger à Virt Install, parce que en fait
Avec le virt install, ça oblige à utiliser virt install en ligne de commande. Ce qui, dans certains cas de figure, est pas gênant, mais je trouve que, enfin, visuellement, des fois c'est sympa aussi le virt manager en graphique. Bon, c'est pas grave. Ce que je vous propose éventuellement, c'est d'aller faire coucou à quelqu'un pour finir la soirée. Un petit raid, hein, pour finir la soirée tranquillement. Et on va aller voir. Tiens, on va aller voir Disnome, si ça vous va. J'espère que ça vous conviendra. Alors, avant de lancer le raid, hop. On va faire ça. Allez. Donc, moi, je vais vous donner rendez-vous dimanche pour le prochain stream, qui sera pas sur la suite de Cloud Init. La suite de Cloud Init, on le verra jeudi prochain. Donc, je stream les jeudis de 20h à 22h, et le pouce, et les dimanches de 18h à 20h. Allez, je vous souhaite une excellente fin de soirée, et je vous donne rendez-vous dimanche. Bye bye!